Nyamiang Gessin Raoul Thibault, cadre de la région du Morono, a reçu à son domicile 6 à Cocody Rivera 3 du Robité 1, non loin de la cité SI, le mercredi 21 décembre 2022, une délégation des chefs de la sous-préfecture d'Anoumomba. Cette délégation, conduite par Nana Yao Ngama, président des Têtes Couronnées, a partagé un repas et échangé avec lui sur le développement de la localité, où il a déjà posé plusieurs actions sociales. Ce fut l'occasion pour le jeune opérateur économique Nyamiang Gessin Raoul Thibault d'annoncer officiellement à ses parents son adhésion au PDCI RDA et aussi de ses ambitions politiques pour la commune d'Anoumomba. À la suite de ces échanges, M. Nyamiang Raoul Thibault a remis des présents aux différents chefs accompagnés d'une enveloppe. Écoutons les impressions du secrétaire général des chefs de la localité d'Anoumomba. Ce jour, nous sommes chez notre fils Thibault pour le saluer, l'honorer parce qu'il nous a fait une bonne et grande surprise. Il est parti au PDCI, nous lui disons merci. Mes impressions ce jour sont bonnes. Sont bonnes dans la mesure où il a invité spécialement ses parents d'Anoumomba pour connaître chez lui et en même temps partager sa nouvelle vision de la vie politique, de la vie économique, de la vie sociale. Nous lui disons merci. Donc en ma qualité de secrétaire général, je lui dis un grand merci. Et un merci pour le partage, un merci pour l'objectif qu'il poursuit. Et puis toutes les personnes de bonne volonté qui l'encadrent, on leur dit aussi merci. On dit merci aussi au PDCI. Nyamiang Gessin Raoul Thibault, cadre de la région du Morono, nous fait le point à l'issue de cette rencontre. Aujourd'hui, c'est une journée très satisfaisante pour moi. J'ai eu l'occasion de recevoir tous les différents chefs de ma localité et aussi les chefs Baoulé des différents campements, le chef central Baoulé. Nous avons partagé, nous avons mangé en famille en tant que père et fils et c'est aujourd'hui une fierté pour moi. Donc je voudrais leur dire merci de leur présence et aussi j'ai profité de l'occasion de leur parler de mes ambitions politiques. Et vraiment, ils ont approuvé et je voudrais leur dire merci à travers cette antenne. Merci, merci à tous ceux qui ont été là. Merci aussi au service de communication qui me permet de pouvoir véhiculer le message.